assez ravi de vous retrouver dans Parole d'expert sur H24, l'émission qui nous permet de surfer sur l'actualité, qu'elle soit sociale, économique, business et aussi politique et géopolitique. Aujourd'hui, eh ben, on va parler d'un sujet qui, on va dire, non seulement défraie un peu la chronique, essaye de sublimer un peu toutes les passions, les remontrances qu'on peut avoir au sein de nous, c'est notre relation avec la France, Maroc-France. Je t'aime moi non plus, ou alors je ne t'aime plus, bah moi non plus, bah c'est comme ça aussi qu'on pourrait appeler cette émission. On va essayer de comprendre, de revenir sur la timeline, hein, la chronologie, parce que c'est important de peut-être remettre tout ça en perspective et de voir non seulement comment on en est arrivé là et vers quoi allons-nous aller, puisque Macron est là jusqu'en 2027, donc ça fait quand même un certain nombre d'années à tenir avec cette nouvelle diplomatie. Maroc-France, je t'aime plus, moi non plus, c'est le Parole d'expert d'aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui, mais c'est avec grand plaisir que je reçois, et je vous ai pas vu depuis longtemps, Sijaouad Kardoudi, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Ça va, Sijaouad ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Mais merci à vous, toujours fidèle au poste, et ça, en tout cas, on peut pas vous l'enlever. Rachid Achachi, première fois que je l'ai sur un plateau, et je suis ravi, géopolitologue. Alors, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, j'adore discuter. Mais oui, mais justement, c'est ça que j'aime. Directeur général de Arke Consulting, vous êtes cofondateur de ODC TV, vous êtes chroniqueur, etc. Beaucoup de gens vous connaissent aussi pour toutes vos positions et vos pros et la manière avec laquelle vous les défendez. Merci pour l'invitation. Et on va en discuter. Alors, souvent, alors même pour ma part, et là je vais juste faire un saut de subjectivité, après j'essaierai d'en ressortir, étant animateur, journaliste, observateur francophone, on a toujours l'impression qu'on est francophile. Alors moi, la question qu'on va se poser, puisque là on va tous parler en français aujourd'hui, francophone ne veut plus nécessairement dire francophile d'un point de vue politique, on est bien d'accord, hein, on n'est pas en train de déclarer la guerre à la France, qu'on soit clair. Molière n'y est pour rien. Voilà, absolument, personne, hein, que ça soit Sartre, Camus, Molière, peu importe, ils y sont pour rien. Enfin, s'ils peuvent y être pour quelque chose. Mais on va essayer de comprendre comment on en est arrivé à cette ère glaciaire des relations maroco-françaises, franco-marocaines. Première question, peut-être rappel d'histoire, est-ce qu'on a déjà connu une telle, je vais utiliser un néologisme, une telle glacitude pour parler comme les jeunes. Oui, alors les relations entre le Maroc et la France, moi je les compare comme un vieux couple qui de temps en temps a des disputes et finalement il se réconcilie. Mmh. Et effectivement, dans le passé, il y a eu aussi beaucoup de problèmes avec la France. Mais je pense qu'avec Macron, les problèmes sont plus importants. Oui, là, c'est la totale. Là. Voilà, ouais. Avec Macron. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Macron? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lui, et d'ailleurs, il l'a dit au Gabon, il a dit, moi, je veux parler à tout le monde. Mmh. Moi, je n'ai pas à m'interférer dans les relations entre pays. Et donc, c'est sa fameuse expression, en même temps, il veut avoir en même temps des relations avec l'Algérie et des relations avec le Maroc. Oui, mais ça, il suffit d'aller dans un de vos cours, dans n'importe quelle bonne école, où on apprend un peu la géopolitique ou même la guerre économique, c'est pas possible, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, mais ça, c'est, je veux dire, à un moment donné, on essaiera de comprendre. Rachid, c'est vrai que si on revient un peu, historiquement, le Maroc a toujours été beaucoup plus près de la droite. Exactement. Que de la gauche. On se souvient un peu des frottements avec Mitterrand, avec Chirac, c'était l'amour fou, même si au sein des gouvernements et au sein de l'alternance, il y avait quand même des petits frottements. Là, on a l'impression que c'est rupture totale, aucun relais, on va dire, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, on a l'impression qu'il n'y en a plus personne avec qui parler. C'est le cas ?
Maintenant, il est vrai que les relations entre le Maroc et la France s'inscrivent dans la cyclicité du jeu démocratique français, avec une alternance gauche-droite. Pour des raisons anthropologiques très profondes, c'est que la droite est encore porteuse d'une nostalgie monarchiste, etc. Ce qui est historiquement avéré. La monarchie républicaine ou la république monarchique. Tandis que la gauche est toujours dans cette démarche hystérique de révolution permanente, là où il n'y a plus lieu de où c'est anachronique de penser aujourd'hui. Et donc, à chaque fois qu'il y a la gauche, c'est problématique. Et la dernière fois qu'il y a eu des tensions importantes, c'était à l'époque de François Hollande, autour de 2015. Aujourd'hui, on n'est confronté ni à la droite traditionnelle française, que l'on connaît très bien, qui est pragmatique, affairiste, avec laquelle on peut dialoguer, ni à la gauche hystérique, que l'on connaît également malheureusement très bien. Mais on a droit à un gloubi-glouba, une forme de nouvelle nébuleuse idéologique qui émane de la gauche, parce qu'effectivement Macron, qu'on le veut ou non, a été ministre dans un gouvernement de gauche, mais qui est davantage dans une rupture avec le jeu politique français traditionnel que l'on connaît. Et donc on serait plutôt du côté d'un parti qui est celui d'une nouvelle oligarchie française, qui est en train de rompre avec l'ancienne bourgeoisie et l'ancienne oligarchie française, et avec laquelle on ne sait pas encore comment traiter et comment nous comporter. C'est que le Maroc est quand même porteur d'une tradition diplomatique extrêmement ancienne, et on connaît très bien les codes de la droite et de la gauche française, mais là, c'est vraiment un nouveau cas. C'est-à-dire un pays qui, enfin, un gouvernement qui veut gérer un pays comme on gérerait une entreprise, avec cette logique de partie prenante avec lesquelles on peut dialoguer en même temps, de la même manière, avec la même intensité, mais ce qui n'est pas du tout adéquat aux relations qu'entretiennent des pays sérieux entre eux dans une logique de longue durée. D'autant plus que l'on voit également que l'on peut percevoir des logiques de calcul extrêmement court-termistes depuis que Macron est au pouvoir en France. Alors justement, court-termiste, quand on revient, juste pour refaire la timeline, alors ça avait commencé sous Hollande avec l'affaire Hamouchi à Paris, et le boxeur Zakaria Moumni, ça c'était la première chose qui commençait un peu à nous froisser. Deuxième affaire, Pegasus, ok, bon. Ensuite, Darmanin qui, et alors je me rappelle comme si c'était hier, je sais pas pourquoi ce jour-là j'avais allumé BFM TV, mais ça m'arrive, parce que ça nous permet de prendre un peu la température, et on tombe devant Darmanin qui annonce à la télévision, sans aucune concertation diplomatique, que les visas vont être diminués de moitié. Et en plus, on est en résonance de la crise Covid. Là, en plein dedans, il y a quelques semaines, j'arrive à Bruxelles au moment où une résolution est proposée au Parlement pour interdire l'accès aux représentants du Maroc sous l'influence. Alors si on peut remonter très loin. La tournée aujourd'hui de Macron en Afrique, et on a vu les casseroles qui s'est pris avec notamment le président de RDC, avec cette accent paternaliste qui a été mis dans les discours. Alors, on a l'impression, je ne sais pas, mais je vous demande vraiment votre observation sur, déjà, la manière avec laquelle tout cela est fait. Il y a souvent des choses voulues, calculées. Est-ce que là, vous avez l'impression que tout ça, c'est vraiment calculé, ou alors c'est fait, ce sont de manière épidermique, ce sont des réactions auxquelles on assiste? Moi, je ne pense pas que c'est un complot contre le Maroc. Non, pas complot, mais calcul, juste une stratégie. Malheureusement, ce sont des événements qui ont eu lieu l'un après l'autre. Par exemple, pour les visas, la France dit on réduit les visas parce que lorsqu'il y a des irréguliers marocains en France, enfin, je vous dis ce qui, on leur donne pas le fameux On sait combien de personnes ça concerne. Hein, il suffit de creuser un peu et de voir combien de cas ça concerne. Est-ce que ça justifie justement une réponse comme ça? Pas du tout. Je suis d'accord avec vous. Mais j'essaie simplement de comprendre comment tout cela s'est passé. Bon, Pegasus, là, effectivement, l'attaque contre le Maroc était très forte à ce moment-là, et même tous les médias français, radio, télévision, étaient braqués contre le Maroc. Et puis, il y a aussi le tropisme de Macron vis-à-vis de l'Algérie. Alors, je pense que ça a beaucoup joué. Moi, j'ai une théorie. Oui, pour défendre Macron, mais je pense que, étant jeune, il a 46 ans, il se sent un peu coupable
du colonialisme français en Algérie. D'ailleurs, rappelez-vous, en 2017, il était à Alger et il a dit le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité. Mais après, il a quasiment dit le contraire. Il a quasiment redit le contraire. Oui, l'Algérie n'existait pas et qu'elle a été créée par la France. Et... Mais il a, et donc, je continue ma théorie. Hein. Donc, après ça, bon, il veut réconcilier, il veut rester dans l'histoire comme l'homme qui a réconcilié la France avec l'Algérie. Mmh. Et je crois que ça le tarabuste, cette histoire. Et donc, effectivement, il y a ce tropisme vers l'Algérie, mais il veut aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, avoir les mêmes relations avec le Maroc. Et ça, comme vous avez dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il est dans une situation extrêmement embarrassante. Achille, par rapport à cette théorie. Bah, écoutez, je ne vais pas faire la psychologie de Macron, je ne suis pas habilité à le faire, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de regretter quoi que ce soit. Bon, on va clore la parenthèse psychologique. Je ne pense pas qu'il y ait un tropisme algérien, je pense qu'il y a un tropisme gazier, davantage, notamment depuis la flambée des prix à partir de janvier-février 2020 et le conflit ukrainien, et que l'État français doit établir des arbitrages de court terme, on y revient, par rapport à la possibilité d'accéder à des sources énergétiques alternatives à la Russie, notamment l'Algérie. On n'a pas 36, il y a l'Iran, la Russie, l'Algérie, ou le gaz naturel liquéfié en provenance de l'Amérique du Nord, et qui a peut-être fait pencher légèrement la balance au profit de l'Algérie du point de vue de la diplomatie française. Pas légèrement. Non, mais il y a eu des froids également avec l'Algérie. Ça n'a pas été tout rose avec l'Algérie. Il y a un bras de fer également en parallèle qui va de pair avec le rapprochement. Mais je pense que le tournant, parce qu'effectivement, en 2015, on ne va pas y revenir, c'était la gauche au pouvoir, donc on connaît très bien la chanson, mais le tournant, ça a été la reconnaissance américaine de la marocanisation de notre Sahara. Là, effectivement, on a remarqué une crispation et une rupture dans la manière avec laquelle certaines chancelleries européennes perçoivent le Maroc. On l'a vu avec l'Allemagne. On a eu un bras de fer, maintenant c'est l'amour fou. Tout à fait, on les a ramenés à la raison. Il y a eu l'Espagne. Surtout. Pareil, on a ramené à la raison également. Donc il nous reste la France qui a également changé de posture. Tout simplement parce que ce qu'elle percevait comme un précaré par rapport au Maghreb, je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest, elle le percevait à travers la question de notre Sahara. Parce que tant que le Maroc est tenu par le Sahara, eh ben on n'a pas de quoi s'inquiéter, il ira nulle part. Mais il y a eu deux événements majeurs, celui de la reconnaissance américaine en 2020, mais même bien avant, déjà en 2015, 2016, 2017, il y a eu le discours de Riyad prononcé par Sa Majesté le Roi, c'est-à-dire qui a bien tracé les lignes d'un souverainisme marocain qui va affirmer la souveraineté. Il y a eu les visites de Sa Majesté le Roi à Moscou, à Pékin, à New Delhi, pour signer des partenariats stratégiques avancés, qui ont donné le là de cette... pas politique d'émancipation, car on n'était pas sous la tutelle française, mais d'affirmation plus poussée de la souveraineté du Maroc. Et là, quelque part, ça a allumé une lampe rouge au sein de la diplomatie française et qu'il fallait tout faire pour ramener le Maroc dans le giron de la France tel qu'il le perçoive. Je récupère leur élément de langage parce que je pense... Oui, mais alors justement, parce que là aussi, que ça soit dans les salons, les analyses aussi dans les journaux, il y a des... Moi, je trouve du très bon et du un peu téléphoné, mais en gros, est-ce que on se dit le Maroc s'élève, parce qu'il y a un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas parce qu'on est marocain qu'on va le dire, mais on l'observe, on critique beaucoup de choses, mais d'un autre côté, on peut apprécier sur tout le pourtour méditerranéen, même en Afrique, enlevons l'Afrique du Sud, c'est quand même le pays qui remplit ses engagements, qui par rapport au FMI, qui a rempli ses engagements suite à la COP22, c'est pas rien, hein, par rapport à tout le contexte écologique et climatique qu'il y a, qui s'élève d'un point de vue économique et qui géopolitiquement aujourd'hui a fait des virages même en termes de diplomatie, et on se dit la France ne supporte pas. Mais alors quand je prends les propos de Rachid, on veut ramener dans le giron, mais quoi, de ramener dans le giron de la même manière, c'est-à-dire dans la poche, mais pas sur la place de Sinoche à côté ? Non, moi je pense, je suis tout à fait d'accord avec CHHI. Maintenant, moi je retiens cette idée que tout à l'heure vous avez dit avec le tropisme vis-à-vis de l'Algérie n'est pas très important, mais quand il envoie la Première ministre, Madame Borne, avec 16 ministres
comment on peut s'expliquer que 16 ministres accompagnent Madame Borne en Algérie. Donc c'est encore un signe. On a eu plus d'acteurs français à la délégation au Festival du film de Marrakech. C'est encore un signe pour montrer son intérêt. Donc moi je pense, peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y a cette volonté de réconcilier les deux pays. Et pour cela, il fait beaucoup d'efforts. Et c'est pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Gabon, il a dit « moi, je veux parler à tout le monde ». Comment est-ce que vous analysez la réaction marocaine? Alors c'est là aussi où, et je le vois, qui suscite beaucoup de fierté chez beaucoup de monde, dans les positions claires. Et on est, je pense, passé dans une, on l'a déjà dit avec Sibolita, on est passé dans une autre ère de la diplomatie marocaine, et même dans le langage. Et même à travers le monde, on n'a jamais vu autant de clarté dans un langage diplomatique. On est habitué aux grandes formules qui est tournée à droite, à gauche, etc. La diplomatie. Là, on voit des communiqués extrêmement clairs. On a bien vu aussi juste pour reprendre aussi dans l'actualité, la réaction extrêmement claire du cabinet royal face à la sortie du PJD vis-à-vis des accords d'Abraham. Mais ça, c'est bon, c'est une chose. Mais on voit la clarté aujourd'hui du langage. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une nouvelle ère et quoi? On gonfle le torse parce que on a les États-Unis, Israël, l'Espagne, l'Allemagne, l'Afrique derrière. On peut aujourd'hui bomber le torse comme ça? En fait, un pays a recours systématiquement à des tournures de phrases, à des euphémismes quand il n'a pas de doctrine claire et qui cherche à composer avec les évolutions quotidiennes quasiment des rapports de force. Or, le Maroc, comme j'évoquais tout à l'heure, à partir de 2015-2016, on a vu graduellement émerger une vraie doctrine cohérente avec une volonté de désenclavement diplomatique pour se libérer du tropisme européen dans lequel on était parce qu'on n'avait pas le choix, c'était la guerre froide, et pour mieux profiter de la multipolarisation du monde. Ce qui fait que quand aujourd'hui, effectivement, le Maroc entame des bras de fer réussis avec l'Espagne, avec l'Allemagne, et aujourd'hui avec la France, c'est pas parce qu'il a derrière lui tel ou tel État, mais parce qu'il a réussi à développer tout un réseau diplomatique d'interdépendance et de complémentarité qui fait qu'il ne parle pas tout seul, mais il parle comme étant un nœud et un noyau dur d'un réseau beaucoup plus grand. Et le Maroc n'attaque pas la France, c'est-à-dire il n'a pas à craindre à se cacher derrière, mais il exige une clarté réciproque de part et d'autre. Or, du côté français, qu'est-ce qu'on a ? Quand on répond, ça pique, là. Les rapports ne sont ni amicaux ni bons, mais le Maroc n'a pas non plus dit qu'elles étaient mauvaises et conflictuelles, mais voilà, mais on exige une clarté parce que ce que fait la France, qui est dans une logique court-termiste, qui a perdu sa tradition diplomatique avec sa politique arabe, etc., est aujourd'hui systématiquement dans ce qu'on appelle le dérapage contrôlé ou le jeu de dupes. C'est-à-dire en même temps, elle envoie une dizaine de ministres en Algérie, mais en même temps, elle va dire l'Algérie n'existe pas, c'est nous qui l'avons créée. En même temps, au Maroc, elle va faire un geste de bonne volonté, en même temps, de l'autre côté, elle va saboter ce qu'elle a fait. C'est pour entretenir les deux pays, autant le Maroc que l'Algérie, dans une forme d'indéterminisme pour pouvoir à n'importe quel moment établir les bons arbitrages en fonction des intérêts de l'État français. C'est pour cela que, effectivement, si on a une vision topique uniquement d'une visite en Algérie, on dira que c'est une très bonne relation entre la France et l'Algérie. Mais si on inscrit dans une totalité, on voit qu'elle joue au même jeu, autant avec nous qu'avec l'Algérie. Et que cette visite était davantage une visite contre le Maroc en Algérie qu'une visite en Algérie que pour l'Algérie. Et demain, il pourrait faire la même chose avec nous. Si demain Macron viendra, il pourra faire des déclarations flatteuses, etc., pour tenir l'Algérie en laisse également. Donc ce calcul-là, le Maroc le comprend très bien. Il ne veut pas jouer ce jeu-là. Donc il ne se laisse pas tromper par une phrase prononcée par Macron dans un discours, etc. Mais il attend une vraie vision diplomatique de la part de la France vis-à-vis du Maroc qui traitera le Maroc d'égal à égal. Dernière question sur l'Afrique. Alors, nécessairement, on connaît tout ce que le Maroc a pu investir en termes de diplomatie spirituelle, de diplomatie économique, la présence des banques, des assurances, des télécoms, et de toute l'influence que peuvent avoir les réseaux marocains dans les pays africains, notamment de l'Ouest. Est-ce que on a pu activer ces leviers pour, allez, je vais vous poser la question sans embâche, c'est-à-dire essayer de mettre un peu des petites gentilles, je vais pas dire des pots de banane, mais des fils de pots de banane sous la tournée de Macron. On a vu un peu des épisodes qui sont à la limite du risible, quoi. On l'a bien vu en RDC avec le président et avec cette imbroglio et cette réaction très paternaliste et très donneur de leçons. Alors que même avant qu'il commence à tourner, il a dit non, fini la France-Afrique, fini le paternalisme français. Alors, auparavant, je voudrais souligner, comme vous l'avez dit,
la fermeté de la politique étrangère du Maroc. Il faut le dire avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est un tournant. Parce que même du temps du roi Hassan II, il n'y avait pas cette fermeté. Et cette fermeté a payé. Elle a payé pour l'Allemagne, elle a payé pour l'Espagne. J'espère qu'elle va payer aussi pour la France. Donc je voulais saluer ça et trouver que c'est aussi beaucoup de courage de la part de Sa Majesté et du gouvernement. Alors maintenant, pour revenir à l'Afrique, là, c'est un point fort de notre pays, il faut le dire. Sa Majesté a fait plus d'une cinquantaine de visites en Afrique, et ce n'est pas uniquement par des paroles, mais aussi par des investissements. Le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, le deuxième en Afrique, avec plusieurs secteurs comme les télécoms, les banques, l'industrie, les services, etc. Donc on a maintenant ce point qu'est l'Afrique pour nous, et on l'a dit peut-être tout à l'heure, peut-être aussi que la France voit d'un mauvais œil le fait que le Maroc s'est installé solidement. Oui, mais c'est un travail de longue haleine. Alors, quand on me dit ça, j'ai l'impression que c'est comme si la France s'était réveillée, avait ouvert une fenêtre et dit ils sont en Afrique. Puis, dans une cour de récré, nous, on n'y est plus. C'est pas possible. Je veux dire, c'est quelque chose qui a été fait depuis très longtemps. Oui, Est-ce que c'est une réaction qui, aujourd'hui, où la France se rend compte, tiens, hop. Effectivement, ça a été une politique de longue haleine de Sa Majesté. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le fait que, avant que le Maroc ne retourne à l'Union africaine, il avait préparé ça pendant plusieurs années avant donc le retour en 2017. Et donc, c'était une politique à long terme et qui, j'espère, va continuer à l'avenir. Quel impact ça peut avoir? Alors, ça, c'est vraiment ma dernière question, parce qu'on l'a vécu ici, au Maroc. Bon, déjà le visa, et ça, c'est des choses qui est un sentiment d'humiliation déjà à la base, le visa à la base. Alors ensuite, quand on l'utilise comme levier, ça a été ressenti comme un sentiment d'humiliation supplémentaire. Et surtout, première fois, c'est que c'est cette classe, on va dire, dirigeante des salons de Rabat, Casa, etc., qui n'a pas l'habitude d'être humiliée comme ça. Est-ce que là, c'est l'humiliation de trop? Et quel impact ça va avoir sur nos relations à l'avenir? Est-ce que ça va être compliqué de renouer tout ça? Ou alors nous, on a la mémoire courte? Écoutez, c'est compliqué parce que l'histoire demeure toujours ouverte et qu'il y a trop de variables en jeu. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on assiste depuis plusieurs années, d'ailleurs ça a été rappelé par Sheikh Abdoudi, depuis le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et les différentes tournées royales, on a renoué avec la profondeur continentale du Maroc. On a l'histoire qui joue pour nous. Et que graduellement, on a eu une montée crescendo des tensions avec la France, quelque part avec un petit décalage entre les deux. Mais aujourd'hui, comment dire, le principal problème, c'est qu'on a assisté en même temps sur le plan économique un retrait lent, mais irrémédiable, du capital français au Maroc. Alors, retrait volontaire ou involontaire, ça, on peut pas trancher, parce qu'il y a trop de variables en jeu. Mais tout dépend de ce que veut la France au Maroc. Est-ce qu'elle veut continuer à se projeter économiquement et garder des intérêts, des noyaux durs productifs avec une rentabilité, ou bien elle veut se désengager du Maroc pour mieux se redéployer en Europe, dans un contexte où l'Allemagne est en train de perdre pied en Europe du fait de la crise énergétique et du conflit avec la Russie en Ukraine, et que peut-être que la France se projette davantage comme nouvelle locomotive en Europe, plutôt que comme héritière d'un ancien empire colonial. Donc ça dépend de trop de variables. Et le Maroc attend sagement de voir comment va se positionner la France, c'est-à-dire si elle veut continuer à avoir des relations amicales avec le Maroc et rentables ou non. Mais il est important de mentionner, parce que beaucoup de gens sont mus par la dimension émotionnelle, que notre problème c'est avec l'État français. Oui. C'est pas avec les citoyens français. D'ailleurs, je peux en témoigner, beaucoup de citoyens français au Maroc soutiennent la position du Maroc en allant même contre la position de leur propre gouvernement. Alors tout à l'heure, vous en parliez au début en parlant de la culture, etc. Effectivement, même en économie, il faudra que les agents économiques marocains continuent d'avoir des relations avec des agents économiques français tant qu'on est dans le respect. Mais là, c'est une affaire de diplomatie, c'est une affaire entre États. Il revient à l'État français de clarifier sa position. Est-ce qu'il veut continuer à nous voir comme un partenaire, à condition de nous traiter d'égal à égal, ou bien nous aussi, on a d'autres cartes à jouer, et que dans des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, on peut très bien se projeter, nous, le Maroc, comme partenaire dans un schéma tripartite avec la Chine, la Russie, mais avec la Turquie, on n'a pas de problème.
Nous, on ne voit pas l'Afrique comme un précaré. Mais on la voit comme une profondeur continentale dont on fait partie et dont on a fait partie pendant des siècles et des siècles. Donc, la balle est dans le camp de la France et pas dans celui du Maroc. Moi, je pense qu'il faut continuer par cette politique de fermeté. Parce qu'on a, il y a encore 4 ans, non, c'est ça? On est en 2000, ouais, oui, 4 ans avec Macron, donc c'est... Oui. C'est vrai que c'est long, c'est long. C'est long, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut réfléchir à part cela. Qu'est-ce qu'il faut, Ah oui, je voulais quand même, moi je pense que il faudrait modifier notre lobbying en France. Ah. Parce qu'on avait, ça c'est une recommandation. Et en Europe. Parce qu'en ce moment en Europe, quand on arrive à Bruxelles, on regarde comme ça. Hein. Parce qu'on a des gens qui ont vieilli, qui ne sont plus, alors que maintenant c'est la jeune génération qui a pris le pouvoir en France, que ce soit Macron ou ses conseillers, etc. Il faudrait aussi que nos jeunes puissent aussi se rapprocher des jeunes Français au pouvoir et essayer de leur expliquer. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup d'incompréhension d'expliquer ce qu'est le nouveau Maroc, ce que souhaite le Maroc. Et je pense que c'est les jeunes qui doivent faire ça. Et d'ailleurs, si vous permettez rapidement 2 secondes, cette rupture générationnelle en Afrique, c'est ce qui joue principalement en faveur du Maroc et en défaveur de la France, que la plupart des pays qui ont connu un revirement diplomatique et qui ont cherché à s'émanciper de la France sont des pays où l'élite dirigeante a connu une rupture générationnelle, soit pacifique par le jeu électoral, soit par des coups d'État comme au Mali ou au Burkina Faso, et que les pays qui demeurent fondamentalement hostiles au Maroc sont des pays où on a encore une gérontocratie. Quand on parle de l'Afrique du Sud, etc. Mais on ne peut pas aller contre le vent, contre le mouvement de l'histoire, et que tôt ou tard, même en Afrique du Sud, il y aura un renouvellement des élites, et que beaucoup de jeunes citoyens africains qui viennent étudier au Maroc finissent par prendre le Maroc comme modèle. C'est-à-dire comment on peut faire vivre un pays composite, avec différentes appartenances culturelles régionales, tout en ayant un fort lien d'appartenance nationale, avec une stabilité politique et économique. Et donc espérons que cette rupture générationnelle se fasse le plus vite possible en Afrique, parce qu'elle se fait principalement au détriment de la France. Merci beaucoup Sérachid, merci beaucoup Sijawed. On suivra l'affaire et on verra ce que ça donnera. Le titre de l'émission au départ c'était Maroc-France, je t'aime plus, moi non plus. Allez, à la fin de l'émission on va dire je t'aime encore, on le dit pas fort, moi non plus. On peut faire tous les jeux de mots qu'on peut faire avec ça. On se retrouve très vite sur H24 pour un nouveau Parole d'Expert. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à commenter, à poser toutes les questions. Ça nous permet de choisir les sujets qu'on traite pour vous. À très bientôt sur H24.